Et je ne vous demande même pas de me reconnaître. Mais je sais que toute ma vie, je passerai mon temps à vous emmerder. Et ça, c'est mon plaisir. Le FESPACO est et doit être la mère nourricière donc, de toutes les images que nous devons diffuser dans le monde. De faire comprendre qu'on est d'abord et avant tout des techniciens du cinéma, des cinéastes. C'est vraiment la défense du cinéma, mais de tout le cinéma. Quel qu'il soit, même celui que nous n'aimons pas, c'est le défendre et lui accorder du respect. C'est très rare pour nous, réalisateurs ou auteurs africains, surtout qui habitent en Occident, de savoir et d'échanger avec les autres Africains. Moi, j'avais amené ici mon premier long métrage, j'avais toute la presse du monde autour de moi. Et ça, c'est exceptionnel. Le FESPACO, c'est, en tant que Burkinabé, c'est une fierté. C'est une fierté parce que c'est un peu le passeport, c'est un peu, à lui seul, il représente l'ambassadeur du Burkina dans le monde entier. Les aînés, Sambène, Souleymane Cissé, c'est des gens auxquels je m'étais identifié. Quand on est jeune, c'est aussi nos stars. Et peut-être ça qui a conditionné le fait que je sois dans le cinéma aujourd'hui. Je veux être plus près de la réalité. Je dis, je ne vous dis pas, je n'ai pas la vérité, mais plus près de la réalité. Et là où je peux toujours emmerder mon peuple. So come on, Janice, keep on me, na sawala ni sawadi laulada, okuma manfonefa.